c'est le retard. Et le retard dont j'ai parlé aujourd'hui va t'emmener à savoir si réellement c'est Dieu qui permet que tu sois comme ça. Ou est-ce que tu es sous une servitude de retard qu'on va briser ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Car il dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimés, lorsque Dieu nous donne un tel pouvoir comme ça, moi ça me fait la deuxième fois qu'il me donne. Il m'a donné ce pouvoir quand j'étais enfant, il me donne le pouvoir quand je suis fils. Le premier pouvoir, j'étais enfant, j'ai reçu sa parole, j'ai reçu Christ, j'ai reçu son témoignage et j'ai cru. Et quand j'ai cru, automatiquement, il m'a donné un pouvoir. Il dit à tous ceux qui ont reçu et qui ont cru, il leur a donné un pouvoir de devenir. Mais regarde comment tu étais un bébé en avortant. À peine on te parle, il te suit de croire et tu as le pouvoir. Tu n'achètes pas ça, crois seulement. Oh, mais est-ce que tu parles à quelqu'un? Crois seulement, il faut croire. Si tu crois seulement, tu as le pouvoir. C'est le premier pouvoir à l'avortement qu'on donne. Ça s'appelle l'initiation au pouvoir de Dieu. C'est-à-dire que même le bébé en avortant a un pouvoir. Lorsque tu crois que tu vas être né de nouveau, te détacher de l'ancienne nature, il te préserve un pouvoir. Ça, c'est le premier pouvoir. Le deuxième pouvoir, c'est lorsque tu es conduit par un esprit, tu es conduit par l'esprit de Dieu. Il dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Alors il dit, pour cela, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien pour vous nuire. C'est pas un enfant, on donne ça. Bien-aimé, si tu as reçu ce que tu es passé par le premier pouvoir, c'est que tu n'es plus né de la chair, ni né du sang, ni même né de la volonté du Père, de ton papa, mais tu es né de Dieu. Oui, ton nom a changé. Le retard dont tu parlais, tu vas savoir si c'est un retard démoniaque qui te fatigue ou c'est Dieu qui fait. Les gens parlent pour parler. Non, prends le retard. C'est Dieu qui fait. Prends le retard. On dirait que Dieu maudit. Donc, il faut savoir pourquoi ta génération t'a laissé partir. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, c'est ça? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Peu acclamer le Seigneur pour la parole. Amen. La Bible nous en parle dans le livre de Pierre. Pierre est en train de nous parler de quelque chose et fait la différence entre deux facteurs qui fatigue l'église. Le retard est un esprit. On dit esprit de retard. Et c'est dangereux. Si tu perçois pas ça dans ta vie, ce sera trop tard pour que tu puisses te rattraper. Parce qu'il s'appelle retard. C'est son rôle. C'est un esprit qui vit. Un esprit réel, plus réel que toi-même. Oui, cette personne démoniaque, elle existe. Et cet esprit-là est utilisé par Satan. Et il est plutôt avec les dominations familières, c'est-à-dire familières. C'est-à-dire l'esprit familier de la maison. Les génies de famille utilisent souvent cet esprit-là pour retarder la vie des enfants de Dieu. Ils ont pour objectif de mettre un poids qu'on appelle un assoupissement. Ils ont pour objectif de pouvoir dissuader la personne à prendre les engagements. Et quelqu'un, par exemple, qui habitait d'un esprit de doute. Donc, il compose pas la foi. Et le retard, celui qui a l'esprit de retard, à la base, il est peureux. Et c'est quelqu'un qui ne prend pas de risque. Il est toujours dit, allez, moi, je viens après. Cet esprit-là, il est tellement dangereux que le diable a infiltré ça dans l'église. Au point où tu peux prier pour quelqu'un. Là, pour savoir les capacités de la personne. Mais quand cet esprit-là a le manteau du retard sa vie, il va le décourager tout autour de toi. Parce qu'ils vont dire, ah si, je ne fais pas nous, si on ne fait pas aussi. Ça veut dire, il décourage même la personne qui est motivée. Quand il est au milieu d'un groupe, il démotive le groupe. Quand il est au milieu de quelque part, les gens en feu, ils rentrent tiède les gens. C'est quelqu'un, par exemple, qui refroidit. C'est un iceberg mauvais. C'est-à-dire, il est glacé. C'est quelqu'un qui s'appelle retard. Refuse de se battre. Je refuse. Au nom de Jésus. L'esprit de retard, il est nonchalant à la base. Il est même rapide. L'esprit de retard, il est nonchalant. Je le décris avant d'aller pour que Dieu me bénisse d'abord. Amen. Laisse-moi le déshabiller d'abord. Il va le déshabiller. Au nom de Jésus. Il faut qu'il soit nu. Voilà. L'esprit de retard, c'est quelqu'un qui est nonchalant. Tu as un rendez-vous, il te met en retard. Tu marches pour reconnaître l'esprit de retard. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à pouvoir faire les petites tâches de la maison. C'est-à-dire qu'il se lève, il traîne sur le lit. Mais il n'a pas un timing. Il n'a pas ça. Il refuse d'être sur le temps du Seigneur. Il est sur le temps du monde. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez qu'il y a deux temps. Vous savez, c'est un peu. En parenthèse, il y a le chronos et puis il y a le kairos. Amen. Voilà. Aujourd'hui, le chrétien ne doit pas être sous le vêtement ou sous l'emprise du temps du monde, mais doit être sous l'emprise du temps du royaume de Dieu. Le retard combat ces personnes qui ont une destinée. Le retard combat des femmes qui ont un appel sur leur vie. Le retard combat des femmes qui ont un don de l'esprit à la base. Le retard arrive à pouvoir dénigrer ceux qui sont motivés. Et le Seigneur nous emmène aujourd'hui dans l'exhortation que Paul nous dit, enfin que Pierre nous dit. Pierre, qui est apôtre des chrétiens, des croyants, réalise que ce démon-là est rentré dans l'église. Il a confondu le retard du diable au retard du Seigneur. Vous pouvez dire la passion des yeux. Les versions diffèrent. Alléluia.
Alléluia. Donc lorsqu'on te parle de retard, pour le Seigneur c'est patient. C'est pas ton temps. Quand tu es chrétien, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas je suis dernier. Il n'y a pas ça chez Dieu. Ce n'est pas le temps, c'est tout. Mais pourquoi j'ai échoué à cet examen? Non, tu n'as pas échoué. Non, non, c'est pas ton temps. Parce que quand tu as un simple échec, un esprit se colle à toi. Je reprends. Quand tu es né de nouveau, l'échec n'est pas un langage pour toi. Quand tu es un païen, l'échec est un langage pour toi. Lorsque tu échoues une activité en tant que chrétien, tu ne dis pas j'ai échoué. Dis, ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas l'heure pour moi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Il faut comprendre un peu comment Dieu marche. Bien-aimé, le retard de Dieu est une bénédiction, c'est une patience. C'est une bénédiction sur nos vies. Et Pierre est en train d'exhorter l'église, pas les païens. Il exhorte l'église. Je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Comment tu vois la vie qui dit je suis en retard sur mes amis. C'est que tu n'es pas chrétien. Ou soit, papa démon, yes, ou bien après Satan, soit si c'est un démon, là on le chasse. Ou bien si c'est Dieu qui peut te dire patiente un peu. Et le Seigneur dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas pour accomplir quoi, ses promesses. Donc vous voyez, il ne tarde pas. Il ne peut pas tarder parce que, oh mon Dieu, c'est quelque chose de formidable. Le Seigneur ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Mais il use de patience. Il explique que son rétal, il s'appelle patience. Il use de patience pour qu'aucun de vous ne périsse sur le joug du vrai rétal. Amen. M'approche à Kada. C'est-à-dire que le retard est un démon qui te maintient et qui t'a servi au point où tu as dépassé l'âge. Tant que tu peux, ressaisis-toi. Il y a des situations où on ne peut pas ça à demain. Mais pas à demain, ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça, c'est un principe du ciel. C'est une loi du ciel. Amen. Pendant que tu t'en fais-le, ce que tu Amen. Dis, veille sur ça. Le retard du diable, c'est maudire la lignée de quelqu'un. Parce que celui qui a un esprit de retard, il enfante quelqu'un qui a un esprit de retard. Oui, je m'explique. Dès l'instant où vous êtes nonchalant, vous mettez tout à demain. Tu sais que tu as rendez-vous à 10h, tu te réveilles à 9h55. Mais pourquoi est-ce que on n'arrive pas à discerner l'esprit de retard et puis la prompte et puis être prompt pour le Seigneur? L'esprit d'assiduité. Je suis à l'heure, je défonce l'aurore et je déclare, je crois aux promesses de l'Éternel. David, ce n'est pas à l'aurore. David défonce l'aurore. L'esprit de retard doit quitter l'assemblée des saints. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit ici, celui Dieu, il ne tarde pas pour accomplir la promesse d'Aïe, mais il use de patience sur Aïe, afin qu'il ne périsse point. C'est quoi le mot périr sur le Seigneur? Le mot périr, c'est être en état de difficulté permanente. S'il a promis de bénir, de marier, s'il a promis de donner un enfant, il te donnera ton enfant. Vaille que vaille. L'alliance qu'il a mis entre toi et l'enfant, c'est l'alliance du jour et la nuit. Tant qu'il aura le jour, tant qu'il aura la nuit, l'enfant viendra. Mon alliance ne se cassera pas en nous deux. Crois à l'alliance de Dieu sur ta vie. Parce que Dieu, son alliance est rattachée au jour. Je ne vais pas dire à la journée. Quand il y a un jour, ça veut dire qu'il y a un soir. Il y a un jour, il y a un matin et puis il y a un soir. Le jour est composé de matin et soir. Combattez l'esprit du retard et activez les promesses en vous. Le monsieur, il ne parle pas. Tu peux. Dis-toi, laisse le gars guérir. Puis ça guérit. Je peux recevoir la servante de Dieu. Je ne connais pas son relève. Elle a son problème. Quand même, elle est mariée à pasteur, hein? Il a aussi son problème. Donc pourquoi son mari n'est pas seul à gérer pas ça? Comme ça, ça fait. Mais pour ne pas que la gloire plus, on dit ouais, il permet un one-to-one, c'est-à-dire un tête-à-tête. C'est le tête-à-tête là que le miracle opère. L'esprit de retard, il faut briser ce démon, il faut le combattre. Parce que Dieu nous a donné la promesse et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le secret de l'accomplissement de la paix du Seigneur, c'est que toi, lorsque tu as cette promesse, déclare cette promesse. Mais n'oublie pas que toi aussi, tu dois veiller sur ce que tu as déclaré. Beaucoup déclarent, mais ils ne veillent pas sur ce qu'ils disent. Dieu lui-même qui est Dieu, quand il déclare, il veille sur ça. Ça veut dire quoi? Veiller sur... Et puis je vais m'arrêter là. Hein? Ça veut dire quoi? Veiller sur la parole que tu déclares. Je vous explique. Dès l'instant où Dieu t'a donné une promesse, j'aurai une voiture, je vais me marier, j'aurai ma nationalité, j'aurai ceci. Lorsque tu as déclaré ça à une heure précise, on ne déclare pas les paroles à minuit. Non, 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 non. Le combat spirituel commence à minuit. 23h, minuit, on combat spirituellement. Il faut combattre, détruire les œuvres du diable. Il faut briser tout. Il faut casser tout. Renverser tout. À partir de 3h du matin et plus. Dans les cieux, dans les airs, au-dessus du firmament. Qui dit pas bien, qui dit pas bien. Je ne dis pas au premier ciel, au-dessus du premier ciel. C'est-à-dire, il semble qu'ils viennent même vers sur la terre. L'heure est donnée à l'armée angélique, mauvais comme bon, de pouvoir maintenant opérer dans le cosmos. C'est-à-dire que dans l'espace atmosphérique, là, les esprits passent. Ça trépasse comme les avions. Passent et trépassent. Des bons comme des mauvais. Porteurs de messages pour des personnes précises, dans des nations précises, dans des familles précises. Et c'est en cela que toi, enfant de Dieu, lorsque tu es en prière à 3h et plus, je me fais localiser par l'ange de l'Éternel. Sinon, si tu ne précises pas quel ange,
un témoin te localise à cette heure précise. Et c'est ces heures qui bénissent des oints et des généraux de l'église. Yeah. Tu déclares des heures précises. Tu veux, tu veux pas. Tu reçois. Yeah. Tu reçois. C'est la chose, c'est tout ce qui doit. Il n'y a pas, je l'ai prêt dans ça. Il y a connaître les secrets des secrets. C'est tout ce qu'il faut. Nous prêchons le secret des secrets. C'est le secret qui ouvre le ciel et les fenêtres et qui déploie. Tu peux jeûner, prier et ne pas inviter à qui que ce soit. Mais tu n'as même pas le secret pour activer le ministère des anges. Et tu parles à les gens. La Bible dit dans le psaume 82, il dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme les hommes. Alléluia. Dimanche prochain, il y a une personne parmi nous ici, dans cette salle, qui est ministère de prophète, qui est combattu. Il a du mal à décoller. Le doute arrive en lui. Le retard côtoie sa vie. Il met les choses en retard. Il traîne. Il traîne. Il ne place pas les choses qu'on veut placer. Il traîne. Il prend du retard sur des promesses qui ont été dites depuis. Il voit la chose est là, mais il traîne. Il n'applique pas. Il veut traîner. Or, un appel fort est sur lui. Et Dieu vient, Jésus est à la porte. Dieu ne veut plus jamais tarder. Dieu va déverser sa grâce sur tous ceux qui sont disponibles. Amen. Des personnes disponibles pour prêcher l'évangile. Dieu connaît plus sexe féminin et sexe masculin. On n'est plus dans ça. On est au niveau où l'onction part pour tout le monde. Il dit dans les derniers temps, dit Dieu, je rependerai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'onction est pour tout le monde. Il suffit d'être disponible pour que Dieu puisse t'utiliser. Et si tu retardes et tu doutes de l'appel que tu as, tu vas finalement pas prendre de l'âge, tu vas prendre un vrai retard et tu vas pas rentrer dans ton accomplissement. Or, certainement, le flambeau que tu as là, c'est pour éclairer l'environnement de ta famille. La sorcellerie a commencé à ravager dans ta famille. Or, toi, tu es la personne indiquée pour pouvoir déployer la lumière qu'il faut pour voir le sorcier ou la sorcière qui est assis et qui fait le travail. Tu dois te rendre disponible dans le jeûne et dans la prière. Tu ne regardes plus sur tes activités secondaires ou quoi que ce soit. Rentre, va rechercher la capacité qu'il faut et donne-toi de la capacité et fais l'œuvre que Dieu attend. C'est ton rôle. Mais les gens sont en train d'attaquer ce ministère pour ne pas qu'on croie à ce que tu dis. Or, Dieu t'a donné ce qu'on appelle la vision nocturne. Lorsque tu te relèves, quand tu dis, ça ne discute pas. Mais ces derniers temps, les gens sont en train de rendre flou ce don-là. Au point où, dès que tu réveilles, tu ne vois plus rien. Ou bien c'est des petits bouts que tu regardes. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça aussi, tu n'es pas dit parce que tu n'es pas sûr. Donc, il a mis le tout dans ta vie et il atteint ton prophétique. Tout part de la vision. Garde les pouces levés. Jusqu'au point où il y a des petits bouts seulement qui restent sur elle. Elle ne peut plus dire si c'est ce qu'elle a vu ou pas. Parce qu'ils ont commencé à détruire déjà ce qu'elle veut. Oh, le prophétique est posé sur sa vie. Dieu a donné ça gratuitement. Et c'est la grâce que Dieu donne à des personnes dont on attaque le ministère. On veut détruire ça, on veut attaquer ça, on ne veut pas qu'elle accomplisse ce que Dieu lui a donné. Au point qu'on dit, mais pourquoi? Pour celle que Dieu parle, on discute même la prophétie qui sort de ses lèvres. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est elle? Mais parce qu'elle a tardé. Mais Dieu a posé un sacerdoce royal sur sa vie. Parce que sa famille même est en danger. Sa propre famille d'où elle est issue. Elle est la lumière, le flambeau, la lampe de la famille. Afin de déstabiliser celle qui fait le travail. Mais le Seigneur un matin va rendre à feu cette personne. Parce que l'heure est arrivée pour le jugement. Dieu est là-bas et Dieu arrive. Les portes sont ouvertes. La mission que Dieu te donne pour la famille, elle est noble. Dieu vous emmène plus loin que ça. Je vois un mentor qui n'est plus mentor. Quelqu'un qui tient une couverture qui n'est plus la couverture. Les personnes qui arrivent et qui viennent voir la grâce et qui se servent et puis repartent. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Oui, j'ai mis des paroles dans ta bouche afin de pouvoir parler, être l'oracle de l'Éternel. N'aie pas peur de ce que tu vois, de ce que tu dis, car le Seigneur est avec toi. Il a commencé par les songes qui sont prémonitoires. Tu lèves, tu dis, ça c'est exactement, ça se passe exactement. Ils ont commencé à attaquer ça. Ils brouillent la chose. Mais la flamme que tu portes est une flamme qui s'allume très vite. C'est une question de consécration. Reprends ta vie de jeune. Regarde, laisse-toi, abandonne-toi. Dieu veut que tu laisses pour toi et que tu passes à lui. Que Dieu lui-même te lève au niveau supérieur. L'homme que tu as vu là, c'est un homme de nation. S'il a dit, il a baissé, c'est ta faute.
lève-toi et prends-le sur ton épaule. Sois Caleb et Josué, monte, mets les mains, pousse les mains de Moïse plus haut que ça et qui gagne, qui tape les Amalécites sérieusement. Seigneur, bénis ta servante et bénis aussi ton serviteur. Que le ministère, Seigneur Père, soit revêtu de gloire, de manteau doré de puissance, de plusieurs diadèmes d'honneur, de grâce, de pouvoir. Et lorsqu'ils disent quelque chose, les choses s'accomplissent. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever?